Hello Nakama, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rendez-vous avec toutes les arènes pour un bon petit Metcon. Le Metcon, il va durer une bonne demi-heure, donc j'espère que vous avez vos épaules qui sont prêtes. Le format d'aujourd'hui, MM 30 minutes. Je rappelle le format, c'est un MM, donc toutes les minutes, vous aurez un mouvement à faire précis, un mouvement précis à faire et un nombre de reps à rentrer dans la minute. Le temps qui reste, c'est du temps de repos. Plus tôt on termine, plus on a du temps de repos. Premier mouvement, donc mouvement d'haltéro. Vous aurez une charge externe au niveau de l'épaule. L'objectif, la ramener au-dessus de la tête. On va venir utiliser les hanches, venir serrer les fesses, pousser dans les épaules pour tendre le bras. Donc, il y en aura à faire au début 4, 2 à droite, 2 à gauche. Deuxième minute, 4 push-ups. Donc, mouvement de gym, mouvement au sol. On va venir toucher la poitrine au sol, étendre les deux bras. Troisième minute, mouvement cardio, donc 20 doubles sauts à la corde. Si vous n'avez pas de corde, vous inquiétez pas, on adaptera. Je vous montrerai le mouvement. Minute 4, on repart sur les push press. La petite particularité, c'est qu'on va augmenter de 2 reps. Minute 5, pareil. Push-up, on augmente de 2 reps. Et minute 6, double under, on augmente par contre là de 5 reps. Troisième tour, on augmente encore de 2 reps. Donc ça va durer au moins 10 tours. Pendant une bonne demi-heure. L'objectif, c'est de pouvoir rajouter les deux reps à chaque fois. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Soit vous restez au même nombre de reps, soit vous vous baissez en nombre de reps. D'accord? Il vous faut au moins 10 à 15 secondes de repos pour ne pas trop être dans le dur. Ça va pour tout le monde? Donc, qui de mieux que Mickaël Martos pour les épaules? Donc, voici mon médaille aujourd'hui. Premier mouvement qu'on va faire, donc je vous l'ai dit, hein, mouvement d'haltéro. On va omoplate serrée, la charge entre les deux jambes, on va la ramener au niveau de l'épaule. Une fois qu'elle est au niveau de l'épaule, la tête doit bien toucher l'épaule. D'accord? Pour avoir une bonne amplitude, on va venir fléchir les hanches, genou vers l'extérieur. Donc là, on va dire qu'il y a un mur derrière Mika, donc il est bien droit. Il va venir serrer les fesses, pousser dans les épaules pour tendre son bras. Et on va faire deux à droite. Une fois qu'on a fait deux à droite, il vient changer de main. Même principe, deux à gauche. Assez simple. Donc, on va bien utiliser l'extension de hanche, on serre bien les fesses et on utilise bien les épaules avant de tendre son bras. Premier mouvement, deuxième mouvement, mouvement de gym. Donc là, mouvement de push-up. Je rappelle le mouvement de push-up. On est bien aligné, on a le corps bien gainé, les épaules qui sont juste au-dessus de la main, la tête alignée avec le corps. Je descends, je fléchis les deux coudes, je viens toucher la poitrine et je tends les deux bras. Et on va en enchaîner 2-3. Si vraiment c'est trop dur, on vient fléchir les deux genoux, on garde cet alignement qui est important, épaule en genou, et on vient toucher la poitrine au sol. Ça marche? Si vraiment c'est trop dur, on reste sur les genoux, on va venir réduire un peu l'amplitude. On ne va pas venir toucher la poitrine au sol, mais on va chercher un max d'amplitude. Donc je répète, hein, je rappelle, on rajoute 2 reps à chaque fois. Dernier mouvement, mouvement cardio. Donc si vous avez une corde à sauter à la maison, on part sur des doubles sauts à la corde. Pensez bien à garder les coudes collés au corps et à bouger que les poignets. Sinon, on partira sur des double tap. Donc, on est pointe de pied. L'objectif, c'est de toucher, c'est de sauter pointe de pied et de taper 2 fois sur ses cuisses. Le nombre de double tap, c'est le nombre de double under. En gros, si on commence par 20 double under, on va commencer par 20 double tap et on augmente de 5 reps à chaque fois. Deuxième tour, on augmente de 2 reps à chaque fois. Voici le format. On a une demi-heure, ce qui fait 10 tours. Mouvement, donc vous allez bien vous amuser avec le Metcon. On part sur le warm-up. Le warm-up sera sous forme de Tabata, donc un peu comme le format du hold, en fractionné. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On va le répéter 3 fois. Premier mouvement, en gros, on va se tenir sur une jambe. Voilà, on va décoller l'autre. Et l'objectif, c'est de fermer les yeux pendant les 20 secondes et de tenir. Donc là, on va venir travailler sa mobilité de cheville et son équilibre. Donc là, 20 secondes à gauche, 10 secondes de repos, 20 secondes à droite. On partira ensuite sur du hip thrust, mouvement qui va activer vos fessiers et mouvement qui va vous servir pour l'extension de hanche. Je suis allongé, je rapproche mes deux talons de mon corps et là, je vais pousser dans les talons pour activer les fessiers pendant 20 secondes. Au fur et à mesure des tours, mettez un peu plus d'intensité, mais encore une fois, l'objectif du warm-up, c'est d'avoir des bonnes sensations. Dernier mouvement, du hand release push-up sur les genoux ou comme vous voulez,
sur le genou, ouais, pour commencer, c'est pas mal. Je suis ici, je viens fléchir, je relâche mes mains et je viens pousser pour terminer bras tendus. Pendant 20 secondes, comme j'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure des tours, mettez un peu plus d'intensité. J'espère que le metcon vous plaira. Donc on se donne rendez-vous sur le Zoom à 19h30 ou 19h15, je crois, le soir, ensemble, avec toutes les arènes pour un bon petit metcon. Donc, une heure de bonheur tous ensemble. Merci à vous.